Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The Dragon Reborn sur Open Universalis 4. Super, une série dans laquelle on est en guerre contre les Ottomans, et c'est cool. Alors, on va aller dans cette direction-là. C'est un peu dangereux ce que je fais, donc il va falloir regarder un petit peu, hein, parce que là je les lance complètement à l'aveugle. Siège de Mossoul est terminé, super. Let's go. Le trésorier au doigt croche. Perte de 5 de mandat ou gain de 1 de corruption. Ah, il a réussi à partir. Voilà, très bien. Ok, il me revient dessus par le côté. Ok, ça, bon, là, c'est bon, on peut gentiment prendre ça. Merci, on peut gentiment prendre ça. Super. Cool. Ça, j'allais dire, ça va aider, mais non, ça va pas ne pas aider, plutôt. Alors, on peut faire des nouveaux états. Kachin, par exemple. Comme ça, important Kachin comme état. C'est pas dégueu, hein. Est-ce qu'on a dramatiquement besoin de nos points de mine? Je crois pas, hein. Donc on peut vraiment faire tous les états qu'on veut, là. Hein, y a pas de question. On n'a pas besoin de garder nos points de mine, ou j'en sais rien, ou de développer avec, ou de baisser l'inflation, monter la stabilité dramatiquement. Donc à mon avis... À mon avis, on a meilleur temps de prendre vraiment les meilleurs états pour prendre les meilleurs états. Le Jiangsu méridional. Bon, là, faut reconnaître que l'avantage, c'est que c'est des provinces qui sont depuis là, qui sont chez nous depuis un moment, donc elles n'auront pas beaucoup d'autonomie, à mon avis. Donc, je pense que c'est plus intéressant de faire ça pour commencer, puis ça. C'est un peu stupide de l'avoir fait quand on a de la corruption. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup d'autonomie dans ces provinces. Donc c'est très intéressant. Si on reprend Kachin, le Brunei ou Kachin, je ne sais pas si c'est la même chose en termes d'autonomie. Je pense qu'on aura beaucoup d'autonomie en Brunei quand même. Ainsi qu'en Kachin. C'est des trucs qu'on vient vraiment de bouffer, hein. Alors que les collines de Shan, ça je sais pas ce que c'est. Ouais, t'es gentil. Ah, ça va être la même chose. Hein. On vient de la manger, la colline de Shan. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Song Hong, ça peut être pas mal. Je pense que c'est mieux déjà. Hein. Ah, puis en plus ça nous coûte rien vu que c'est de Lanchang. Ok. Il nous en reste combien du coup maintenant? Il nous en reste 3. L'autonomie est juste. 26% quand même. Ok. Donc là on avait encore un petit peu d'autonomie. Hein. On va pas les donner aux ordres pour le moment. Parce que justement, j'aimerais baisser un petit peu l'autonomie, mais à terme, ce serait bien. Et l'autonomie baissera quand elle baissera, ou on la baissera artificiellement par la suite, éventuellement, c'est envisageable. Sinon, donc, il y a Kachin, Brunei, Colline de Shan. Fujian, ça peut être aussi intéressant. Les états chinois, comme ça, vas-y. Celui-là, on le fait. Et pour le moment, c'est tout ce qu'on fait. On va attendre un petit peu hein, pour les derniers états. Mais c'est déjà des états là, je pense typiquement qu'on n'a pas d'autonomie. Effectivement, on n'a pas d'autonomie. Donc c'est super. Genre, ça change pas grand-chose. Hein. Je pense que dans, dans la totale des trucs, ça va pas changer grand-chose. C'est vraiment ça qui va pouvoir
peut-être nous permettre d'arriver à notre objectif, mais je désespère un peu, pour être honnête. Il va vraiment falloir attendre un moment, hein, si on veut pouvoir avoir cette histoire, il va vraiment falloir attendre un moment. Ok, alors, voyons voir ça. On a eux qui arrivent dessus ici, ça va faire stack wipe, c'est bien. Ok, cool. Alors, on va aller dans cette direction-là, gentiment. Parfait. Ici, là. Ici, ok, on est tranquille, pas de soucis. Ouais, pas de problème, pas de problème. Personne ici. Super. Là, ok, on est correct là-dessus. Les Ottomans, moins, bien sûr. Ça se défend. Toujours en guerre contre les Ouzbeks. Ah, puis ils ont des rebelles. Bon, mais c'est pas grave, toi, t'as juste tout le tour du monde à faire. Tu pourras t'en occuper après. De toute façon, ok, GG. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de virer les Ottomans, on est d'accord. Hein. Le reste, c'est moins important. S'écarter un petit peu tout ça, c'est mieux. Le siège est terminé ici, super. Du coup, on peut aller à... Va à Erevan, comme ça on se rapproche de nos autres troupes. Et toi, du coup, tu vas là pour le moment. Enfin, ça sert un peu à rien, mais va là pour faire place, histoire qu'on prenne pas trop d'attrition, pour prendre trop d'attrition. Ici, c'est bon, on peut pas passer. Par contre, toi, ici, une fois que tu auras fait ça, tu pourras passer ici, en théorie. Voilà, très bien. Ouais, ben, tu m'étonnes, ouais. Un commandant nous a quittés. Ah, ça, c'est pas très très bon, a priori. C'est celui qui était là. C'était un bon, en plus, du coup. Shoot. Allons en chercher un autre. On est à plus de 8 ans de tradition. Non, c'est nul, ça. C'est doublement nul. Les gars, petit effort. Bof. On peut faire mieux que ça, sérieux. On a les points, on continue. C'est mieux. C'est pas infiniment mieux, mais c'est mieux. Alors, toi tu vas de ce côté-là, toi tu prends ça. Ça sert à rien hein, de prendre ça, de toute façon on va pas prendre très bison tout de suite. Mossoul, c'est... Ouais, c'est ça. Hein, donc, ça sert à rien de les attaquer à Mossoul particulièrement. On pourra reprendre Mossoul après, si ça pose un problème. Là, l'important, c'est qu'on s'est regroupé ici. C'est très, très bien. Bon, pour le moment, ce qui se passe en Transoxiane et chez les Ouzbeks, malheureusement, hein, on était à deux doigts de pouvoir les prendre. Mais bon, voilà, rebelles. Eh bien, pour le moment, on s'en va. Peut-être qu'on peut, en fait. J'ai vu que ça changeait rien, donc, les Ouzbeks. Non. Non, ils peuvent pas donner ce qui a été occupé, ou ce qui est leur capitale, ou je sais pas quoi. Bref, bon, on s'occupera de ça par la suite. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Alors. Ok, tu retournes ici, on prend ça, on prend ça. Les Ottomans, je rappelle ce qu'on leur veut, c'est pas compliqué. C'est une humiliation. On n'est même pas à 10% de score de guerre, là. On leur a stack wipe 2 ou 3 forces, on les a défoncés à chaque bataille. On occupe 4 ou 5 de leurs forts, on n'est pas à 10% de score de guerre. C'est cool les Ottomans dans ce jeu, c'est cool. Je pense sincèrement que les Ottomans, le jeu a été designé par des gens qui sont fondamentalement anti-turcs et qui veulent nous les faire détester. 18 septembre, 15 septembre, t'attends 3 jours toi. Voilà, 18 septembre, 18 septembre. Toi tu vas aller prendre Trébizonde. Très bien. Ici c'est bon, tout roule. Ok. Eh bien. Commandant nous a quittés. Le siège de Mossoul est terminé. Ok, on a perdu un commandant, un autre qui était très bon et qui faisait du siège. Ok. Let's go. Non, ça c'est bien par contre. Donc toi, tu vas prendre lui pour le moment et tu vas aller faire le siège d'Erevan. Ok.
ce qu'on a perdu par rapport à ce qu'ils ont perdu. C'est mythique. C'est absolument mythique. Là aussi, le siam aussi. Ok, puis là, on va venir avec tout ça. Par contre, ça, c'est pas très très malin. Alors, hop, 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 hop. Le siège, non. Ok, let's go. Très bien. Ok, les Ottomans. On est à 10% de score de guerre là maintenant. Juste, hein. Tout juste. Non, non, tranquille. Hein. Pour les Ottomans, c'est simple. Hein. Eh, hey, ça devient de moins en moins simple, si je puis me permettre, quand même, les mecs. Hein. Alors, toi, t'as 3 de siège. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire. On s'en fout de Mossoul, on s'en fout. Hein. On va revenir ici, et toi, on va aller tout de suite à Ankara. Je pense qu'Ankara, ça peut être plus utile. Toi, tu vas aller là, pour éviter que ça se soit repris. Toi, tu peux venir par ici pour te mettre avec les autres. Puis proche de Trébizonde. Ouais, mais je sais, mais t'as des rebelles partout. Puis moi, je veux te bouffer le fion, donc non, quoi. Il y a des rebelles ici aussi, et ça, on s'en occupera en temps voulu. On a les partisans du prétendant qui occupent machin chose. Ok, bon, pour le moment, on va dans cette direction. Qu'est-ce qu'il vaut, notre prétendant, by the way? Il est exactement le même que le nôtre, mais complètement différemment. Complètement équilibré différemment. C'est marrant. C'est marrant. Ok. Continuons nos histoires. On est qu'à 55 de démonstration de force. Ça fera du bien d'avoir une petite humiliation contre les Ottomans. C'est qu'il y a encore... On est encore occupé nulle part. Pas un petit... une petite troupe relou qui est allée de l'autre côté. À part les prétendants. Sinon, dans notre pays, tout va parfaitement. On est même bien financièrement maintenant. On a calmé la lutte contre la corruption depuis un petit moment. On y va? Non. D'ailleurs, ça sert à rien de payer autant, quoi. C'est vrai qu'on a moins de possessions, c'est vrai, du coup ça va aider. On est à quoi encore? 4. Voilà. Pour le moment on fait comme ça, on est à 0 ça, très bien. On augmentera après quand on sera tranquille. Super. Continuons. Faisons aussi un réseau d'espions, cela dit, chez les transoxianiens. Et revenons de ce truc complètement useless là. Merci pour avoir un diplomate de dispo par la suite quand même. Le siège de Trébizonde est terminé, c'est super. Tu vas à Sinope maintenant, cool. Toi, tu vas à là. Ok, les Ottomans. Oh, ok. Je sais pas ce qu'il va falloir faire, honnêtement. Aller prendre leur capitale. Ça va nous prendre des siècles. Je peux aller là? Bon. Allons là. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'Ottomans dans la région, donc je pourrais pouvoir rester avec un seul demi-stack là-bas. Donc ce demi-stack-là s'occupe de ça. Merci. Pas les Ouzbeks, non, toujours le même problème de toute façon. Des rebelles partout en plus. Ok, ici les Ottomans sont de nouveau de retour par là. Ok, il va falloir certainement faire un petit peu gaffe du coup. Parfait, de ce côté là.
Super. Regroupez-vous là maintenant. Puis on ira essayer de sortir les ouzbeks avec vous. Je pense que ce sera la meilleure utilisation qu'on peut faire de ce stack. Mécanique, bien sûr. Je vois. Restons là pour le moment. Je vais éviter qu'ils refassent des sièges, mais s'ils reprennent juste des provinces, c'est pas grave. Ils ont repris Mossoul, mais on s'en remettra. On a passé, c'est ce qui nous importe. Une fois qu'on aura Constantinople de l'autre côté, ça ira mieux. Ça va prendre un petit moment pour se faire, mais quand même. Alors, on va aller par ici. Et tu vas me prendre ça pour le moment. Très bien. Ici, on va continuer là. C'est parfait. Et là et ici, comme ça on reste relativement proche. Là c'est de nouveau relou, c'est pas grave, ça vaut pas ce qu'on va pouvoir prendre là, puis évidemment ici. Ok, super, t'as combien de sièges garçon? T'as que 2 de sièges, aïe, ça c'est peut-être pas le bon plan du coup. On verra, une fois que t'auras fait le siège là-bas, on en rediscutera de toute manière. Ok. Alors, voilà, ça va faire ce grunch ici, toujours bon à prendre. Ça va pas faire ce grunch là par contre. Ok, pour le moment tout roule. La vie dure en mer. Oh bah non alors. Alors là je suis... Ouh. Non. Vous vous rendez compte de mon désespoir ou peut-être qu'il faut que je sois plus clair. Ah non, je suis désespéré. Perdu des marins. Que va-t-on faire maintenant? Faire des pédalos. Parlons de bateaux. On a de la place. Pourrait être intéressant de continuer. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une mission qui nous demande d'avoir des vies. On a de la marge aussi de ce côté, du côté financier. Donc, ouais, vas-y. Ok, super. Encore tellement de troupes. C'est bête. C'est tellement bête. Il n'a plus que 16 000 de réserve militaire, le mec. 106 000. Tranquille. Je sais pas, on n'est pas passé au-dessous des 100 000. Ouais, je pensais bien hein, que les choses soient claires. Je savais bien que ce soit. Enfin, je savais bien. Je pensais bien que ce serait un stomp. Mais. Enfin, que ce serait. Qu'on allait gagner cette guerre. Je pensais pas que ce serait un stomp à ce point-là, pour être honnête. Parce que là, c'est. Enfin, voilà. Ils sont embêtants, on va dire ça comme ça. Et encore, hein, vaguement. Ils sont embêtants parce qu'ils sont gros, quoi. C'est un peu tout. Voilà, ils récupèrent des provinces, ils sont aux quatre coins du monde, tout ça. Les Ottomans ont maintenant, ils sont faibles de ce côté-là. Ok, ils sont quand même loin de pouvoir le faire encore. Hein. Je pense que quand on aura leur capitale, ça va aider, c'est clair, mais il va falloir chercher encore un petit peu plus de trucs. Ouais, on va rien construire pour le moment. Le siège de Issel est terminé. Super, tu vas aller faire celui-là maintenant. Et toi, tu vas aller ici. C'est bien. Et si on continue toutes ces histoires-là. Nope. On peut plus revendiquer un truc. Compte Tondo, c'est pas très très grave. Il faudra le refaire. Hein. Compte Tondo, il faudra les attaquer à un moment ou à un autre. Très bien. Ok, on a des gens à aller... rencontrer dans cette région, j'ai l'impression. Abus du statut du tributaire. Perte de 5 de prestige. L'événement tributaire criminel va survenir. Ok, où on perd 10 de prestige et 5 de... Bon, on va juste perdre ça. Et les Aïnous... C'est les Aïnous qui étaient méchants. Ils étaient méchants. La fin du siège de Samarcande par des rebelles. Ok, pour le moment, ça nous fait vraiment une belle jambe. Encore une fois, la Transoxiane, on s'en occupera une fois les Ottomans sortis de la guerre. Ce qui devrait pas trop tarder, mais ta vie. Ils se font la malle, là. Hein. Ils se font la malle. Mzab. Ok. Ah oui, puis on a... Toi, là, prends-moi un général quand même intéressant. Lui, pourquoi pas. Et puis va récupérer toutes ces histoires chez les Ouzbeks. Ce sera pratique. Et ici, voilà, fin du siège de Constantinople. Allez. Et ça passe. Des war reps des Ottomans, ça serait bien aussi. Je vais être honnête. Quelqu'un m'explique le... qu'on passe de... Hein ? On est... 66.
Offre de paix actuelle, ok. Les exigences sont supérieures au score de guerre, ok. Allié en guerre 10. Je fais réparation de guerre. On passe à 130. Donc il y a un facteur double. Hein. Les exigences sont supérieures au score de guerre. Augmente énormément. Pourtant, le score de guerre, la différence de score de guerre, augmente pas si dramatiquement. L'offre de paix, bien sûr, ça va augmenter, c'est sûr. Ça augmente de 10. C'est normal, c'est justement un peu le calcul. Allié en guerre augmente aussi, du coup. Non, c'est juste. Les exigences sont supérieures au score de guerre qui passe de ça à ça. A-t-on la... J'avais pas vu l'Autriche GG. A-t-on la patience? C'est ça la question. Ouais, on peut peut-être essayer d'avoir la patience, de continuer un petit bout pour aller chercher des War Rep Ottoman. Franchement, à un moment où on doit prendre une institution, des War Rep Ottoman, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Fin de siège de Sougla. Ok, super. Bon, là, on est tranquillou, donc on peut faire ça. Hein. Ok. J'aimerais bien aller les chercher, les mecs, là. Ah, malheureusement, il va arriver à la fin de ce siège avant que j'arrive. Ok. Bien. Alors, moi, je veux bien faire la paix. Mais j'aimerais faire la paix avec les Ottomans d'abord. Ils veulent pas me donner de l'argent. C'est des rapias. Alors, les Ottomans. Come on, les mecs. Bon, on attend encore un petit peu. Bien. Elle aurait été utile, cette guerre. Elle aurait fait passer le temps, tout ça, c'est cool. Ok, super. Bon, attends, on va peut-être les laisser quand même, parce que ça peut être intéressant d'aller faire cette bataille ici. Ok, cool. Alors, et de ce côté-là, ok. Ok, on va faire cette bataille contre les Ottomans. Ça pourrait suffire à terminer. Ça devient absurde là. Les Ouzbeks. C'est pas marqué, nous exigeons leur annexion totale. Ils ont quelque chose d'autre ailleurs ? D'accord, là, c'est tout ce qu'il nous faut, hein. Ouais, je pense que ça joue. Bon, bah, on prend tout. Fatiguant, ça, quand même, aussi. Très bien.
Ok, alors vous autres, vous allez dans cette direction-là, j'en sais rien, peu importe. Et nous, on aimerait finir cette guerre, surtout sortir les Ottomans avant de finir l'épisode, ce serait bien. On va se regrouper un petit peu. Allez les Ottomans. Ah là, c'était pas si compliqué. Tu m'as donné ça, des War Rep, tu me donnes encore un peu d'argent. Voilà, et tu t'en vas, les Ottomans. Merci. Au revoir. Très bien. C'est une bonne chose de fait. Ici, du coup, on va se regrouper. Ici, ici et là, on va se regrouper. Et puis on ira du côté de la Transoxiane au prochain épisode, puisque là on va. Ça, bien que je dis ça, mais en même temps, on veut pas 15 000 trucs de la Transoxiane, on veut juste ça. Et malheureusement, il y a ça qui est pris par des rebelles. Donc pour le moment, on peut pas, il va falloir qu'on prenne ça. Mais une fois qu'on aura pris ça. On pourra certainement finir la guerre contre la Transoxiane sans trop de soucis. Voilà. J'ai gardé son alliance avec les Ottomans à la Transoxiane, je me dis que ça peut être utile. J'ai bien aimé cette guerre contre les Ottomans, elle était sympa. J'en doute pas, 30 secondes. On va rien prendre d'autre que ce qu'on peut prendre pour les Kazakhs hein, à la Transoxiane, ça aurait pas tellement de sens pour moi. L'idée étant de ne pas générer trop d'expansion agressive, d'être relativement. De se la jouer un peu à la cool. Hein, donc. Pour le moment tranquille, on fait ça. Voilà, merci. Et tu nous tournes ça au Kazakh. Et a priori, on a tout ce qu'on veut là. Ça. Ça, c'est ça. Et ça aussi? Non. J'ai de la peine, hein. Non, pas ça, on est d'accord. Ok, donc c'est bon. Tu me donnes tout ça. Bien. On prend tes War Rep. Ton pognon. Et tu t'en vas. Et on a fini notre guerre. Ben voilà. Ok. Très bien. Et on a un gros Kazakh maintenant. Alors, on va pas le manger ou quoi que ce soit, parce qu'il nous faut encore pour bouffer la Russie. Mais c'est déjà une base. C'est très très bien. Ok. Ok, c'est super. On va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, du coup, je sais pas trop. Je pense qu'on va. Non. Attendre. Bien que je dis non, mais en fait, c'est discutable. Pourrait le faire à la toute fin. Je sais pas si on aura. C'est quoi? Fonder trois compagnies commerciales, on n'aura pas. Plusieurs universités, on n'aura pas. Avoir une grande armée en puissance. Oui, ça, on aura. Imposer l'absolutisme, on n'aura pas. Être l'empereur de Chine, on aura. Nation multiculturelle. Alors, remporter une guerre de religion, on n'aura pas. Une nation multiculturelle. Non, il faudrait mettre deux cultures en avant encore. Ce qui est faisable, hein. Moi, la culture vietnamienne, même si ça sert à rien, ça peut être pratique. D'ailleurs, on a les points pour le faire. Mais c'est la seule qu'on pourrait mettre, en fait. Bon, faisons-le, de toute façon, on a les points pour le faire, donc faisons-le. On peut. D'accord, si tu veux. Lol. Bref. Bref. On s'intéressera de toute façon à tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.